Tout va se jouer dans ces 90 minutes, ou plus, si affinité, avec une équipe visiteuse qui arrive avec un avantage. On le rappelle, elle avait gagné le match aller chez elle. Oui, elle a pris une belle option, elle a de l'avance, mais on peut compter sur les locaux pour mettre la pression et essayer de faire leur retard à la marque. Gros match hein, en perspective, Pierre, ce Real Madrid, Olympique de Marseille. Oui, les Marseillais qui vont affronter une des meilleures équipes du monde, ils le savent. Hein. Olympique de Marseille, une équipe en pleine confiance qui reste sur une victoire à domicile face à l'Olympique Lyonnais. L'équipe a écrasé son adversaire sur le score de 4-0. Je crois moins à leur chance aujourd'hui. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. Ah, c'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Renato Sanchez, on s'approche de la zone de vérité. Renato Sanchez, ballon bien négocié par le gardien. C'est un corner pour l'OM. Le ballon qui sort. Les Marseillais à l'attaque. Ouais, le tir. Pas de souci pour le gardien. Touche pas mal placée là pour l'OM. Il s'avance vers la surface. Gareth Bale. Isco. Isco. Benzema. Cristiano. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Renato Sanchez. Sanson. Ouais, le bon ballon de contre. Il prend sa chance. Oh, c'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Hein. Isco. Touche pas mal placée là pour l'OM. Léon Bellé. Paredes. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Bien défendu, le ballon qui est sorti en touche. Cristiano, ce sont les Marseillais qui récupèrent ce ballon. Renato Sanchez, peut-être une bonne opportunité, attention. Renato Sanchez, non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. Gareth Bale, il tacle. À la touche à venir après ce bon tacle. Isco. Le Real Madrid qui s'approche du but. La passe parfaite. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Marcelo. C'était compliqué, trop compliqué pour Cristiano Ronaldo. Le ballon est sorti. Callum Chambers. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse.
Ouais, il parvient à stopper cette offensive. Marcelo. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Attention, il n'y a plus que le gardien, Yuri Tillmans. Et le but, le premier but dans cette rencontre. Un but qui me paraît logique, hein. On a vu cette équipe prendre beaucoup d'initiatives. Ils n'ont pas du tout l'air impressionnés par la qualité technique de l'adversaire. Voilà, ils font preuve d'audace, de persévérance. Ils peuvent marquer. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Otamendi. Ouais, bonne transmission. Bale. L'arbitre qui laisse l'avantage au Real. Attention, il a du champ devant lui. Est-ce ce ballon qui traîne? Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Renato Sanchez. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ouais, le contrôle est bon. Benzema. Léon Belé. Isco. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Daniel Kimpembe. Sanson. On s'approche du but. Carvajal. Casemiro. Toni Kroos. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, l'attaque enrayée. Nathan Aké. Paredes. Sanson. Gareth Bale. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, qui va reprendre ce ballon? Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Renato Sanchez. Belle passe en profondeur. Attention à la réception de ce centre. Les Marseillais à l'attaque. Il choisit la frappe. Un tir raté et pas qu'un peu. Casemiro. Il s'avance vers la surface. Ouais, peut-être un changement. Et c'est la mi-temps dans ce quart de finale retour. C'est James Rodriguez qui va faire son entrée. Allez, c'est la reprise dans ce match de Coupe Champion. Les joueurs qui donnent le coup d'envoi à l'instant. Ah non, le Correa. Ouais, un bon ballon d'attaque. Le tir. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Corner pour le M. Léon Belé. Yeah.
n'avait pas de prise de risque, ballon dégagé. Et ce sera finalement un nouveau corner. Paredes. Et la voilà la frappe. Ah, c'est déchiré hein, sur ce tir. Cross. Gareth Bale. Paredes. Toni Kroos. Les 30 derniers mètres. Un ballon qui sort en touche après ce bon tacle. Carvajal. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Allez, l'attaque va s'arrêter là. Yuri Tillmans. Attention, ça peut être dangereux. Yuri Tillmans. Oh, le ballon. Et il capte ce ballon. Marcelo. Et ce ballon qui est perdu. Non, non, les Coréens. Carvajal. Yuri Tillmans. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Yuri Tillmans. Ouais, bonne prise de balle du gardien. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. La passe interceptée de Karim Benzema. Yuri Tillmans. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ouais, bonne séquence collective. Morgan Sanson, le défenseur qui contre ce ballon. Rodriguez. Paredes. Léon Bellé. Ah non, les Coréens. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Ouais, bien. André El Correa. Ouais, très joli but. Et le temps que le gardien se déploie au sol, c'est trop tard. La frappe à terre était particulièrement bien placée. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon, des joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Ouais, bonne intervention, ballon en touche. Modric. Yuri Tillmans. Paul. André Correa. Le gardien, c'est pas fini. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Callum Chambers. Paredes. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Ça n'ira pas plus loin. Récupération de Toni Kroos. L'OM qui récupère. Callum Chambers. Paredes. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner. On a... Attention à la frappe. Oh l'arrêt. Oh quel plongeon superbe. L'OM qui obtient le corner. On s'approche de la zone de vérité. Un tir lointain. Ah, le ballon qui sort et nouveau corner donc. On voit les statistiques hein, sur les corners.
C'est dégagé par Sergio Ramos. Et pour ne pas changer, encore un corner. Nathan Aké. Voilà, parade magnifique du gardien. Otamendi. Callum Chambers. Paredes. Renato Sanchez. Nathan Aké. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Oh oui, but! Ah, ça arrive de temps en temps, un joueur qui rentre et qui marque un but quasi immédiatement. Le buteur qui se régale avec ce centre, et on comprend mieux pourquoi en voyant ce ralenti. Tu peux pas manquer après un tel caviar. Cette équipe qui assomme encore un peu plus l'adversaire. Eh bien, je crois, mon petit Hervé, que la mèche est dite. Que sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. 3-0, ils prennent le large. Kroos. Carvajal. Bon geste défensif. Ce sera donc une touche. Gareth Bale. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Léon Bellé. Les 30 derniers mètres. L'appel de balle et la passe en profondeur. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Léon Bellé. Le centre à suivre peut-être. Et on va y retourner, nouveau corner. Et le gardien a sorti au point. L'arbitre qui siffle la fin de la rencontre sur cette victoire de l'Olympique de Marseille. Eh bien, les joueurs qui se sont fait un petit peu peur, mais qui obtiennent leur billet pour les demi-finales. Oui, ils ont bien géré l'ensemble des deux matchs. Match plutôt bon hein, dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus, son équipe s'impose. Que demande le peuple ? Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe. Quant à Gareth Bale, on ne l'a pas beaucoup vu.